de négociation. Grâce à l'implication personnelle du chef d'État, du professeur Alpha Condé, et de sa détermination à mettre fin à cette grève des enseignants dont les conséquences sont ressenties par l'ensemble du peuple de Guinée, nous avons fait ce que nous estimons être des avancées significatives. Vous savez, il y a deux points qui avaient été soumis dans la plateforme qui nous a été présentée. C'était la levée de la suspension du salaire de M. Abakar Souma et le paiement des 40%. Et je rappelle pour le premier point que dès le premier round de discussion, nous avions accédé à cette requête en rétablissant M. Abakar Souma dans ses droits. Pour ce qui est du deuxième point, déjà à la fin du mois de février, 10% avait été payé sur les 40% qui avaient été acquis dans le cadre de discussions du gouvernement avec le mouvement syndical en son temps. Donc en fait, les discussions portaient sur le paiement des 30%. Et le gouvernement a exposé clairement la situation économique et financière du pays qui le limite dans sa bonne volonté de faire face à une revendication qui est légitime, mais qui est aussi un acquis dans le cadre des négociations que nous avons eues dans le passé avec le mouvement syndical. Les 40% en réalité avaient été échelonnés entre l'année 2018 par raison de 20% et l'année 2019 pour les 20% restants. Donc aujourd'hui, le gouvernement, en tenant compte du désir pressant du peuple de Guinée de voir les enfants reprendre le chemin de l'école, a fait un effort supplémentaire en proposant de payer à la fin du mois de mai, après le passage de nos partenaires du FMI de la Banque mondiale, les 10% qui était prévu initialement pour le mois d'octobre. Donc le gouvernement propose de payer 10% à la fin du mois de mai. Et en fonction, bien sûr, des possibilités financières, puisqu'il y a un besoin aussi que l'activité économique reprenne pour permettre à l'État de mobiliser des recettes qui vont justement aider à faire face aux revendications légitimes des travailleurs. Parce que cette grève a eu des conséquences sur le système économique qui sont désastreuses, dans la mesure où le niveau de mobilisation des recettes aujourd'hui est très bas. Ce qui veut dire que si nous ne mettons pas fin à la grève, la situation économique va se dégrader davantage et il sera encore plus difficile que maintenant de faire face aux revendications légitimes des travailleurs. Il y a ensuite les leçons à tirer de cette crise au sein du système éducatif. Le gouvernement donc a proposé aux syndicats des enseignants de les impliquer davantage dans la gestion des ressources allouées au système éducatif. Ils vont être impliqués donc dans la gestion de ce budget de manière à ce que, en toute transparence et de manière inclusive, ils puissent eux-mêmes avoir une idée du budget et de la manière dont il est dépensé, ce qui permettra d'éviter la suspicion qui a prévalu souvent entre les autorités de tutelle et la base syndicale qui aujourd'hui est en grève. Il y a aussi un comité de suivi de la bonne gouvernance. Parce que comme vous l'avez remarqué, les Guinéens aujourd'hui souhaitent que les affaires publiques soient gérées autrement. Ils souhaitent plus de rigueur, de transparence dans la gestion des deniers publics. Cet appel a été également entendu par la mise en place d'un comité de suivi de la bonne gouvernance. Et puis, le pays a trop souffert des crises à répétition, le chef d'État l'a dit, que ce soit des crises à caractère social ou politique. Donc il a été proposé au syndicat que nous mettions en place un comité national de dialogue social pour justement anticiper les crises comme celle-là et éviter à d'autres pays d'être dans l'impasse comme aujourd'hui. Une dernière question, si les confrères le permettent. Monsieur le ministre, les enseignants se retrouvent demain. À quel retour vous attendez, vous qui venez négocier au nom de l'État? Au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de son gouvernement et du peuple de Guinée, nous demandons aux syndicalistes d'examiner avec bienveillance, avec indulgence, les propositions nouvelles que le gouvernement vient de leur faire, de manière à suspendre la grève pour permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école et mettre fin à l'angoisse des parents et aussi laisser cet avenir prometteur pour notre jeunesse ouvert et plus important que tout ce que nous pouvons avoir comme frustration ou colère légitime. Aujourd'hui, la priorité du chef d'État, du gouvernement, de l'ensemble du peuple de Guinée, que les enfants de Guinée reprennent le chemin de l'école et que tous nous ayons confiance en l'avenir et surtout dans les engagements que nous avons souscrits
avec les syndicalistes. C'est un appel pressant à la conscience de chacun de nous qui nous trouvons aujourd'hui, comme a dit le ministre des Droits de l'Homme, face à l'histoire, dans une responsabilité qui est commune concernant l'avenir de nos enfants, donc de notre nation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.